Salut tout le monde! On revient sur Shadows Awakening, à la recherche des totems perdus. Donc j'ai joué un peu à Shadows Awakening en attendant le téléchargement de la mise à jour de la bêta de Pathfinder Kingmaker. Petite mise à jour puisque c'est une mise à jour qui pèse 16 gigaoctets. C'est déjà de la bonne mise à jour hein, à ce niveau-là. Puis, cela dit, Shadows Awakening est une bonne surprise. C'est un jeu qui prend 6 gigas 7 à télécharger. C'est pas un jeu gigantesque. C'est un jeu qui a une bonne durée de vie parce que, a priori, dans ce jeu, il y a deux parties, livre 1, livre 2. En tout cas, c'était le cas sur l'ébauche, donc il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas ici sur le jeu. Puis, je suis toujours sur le livre 1. J'ai des persos qui sont niveau 13. C'est un niveau maximum atteignable de 30. Donc, l'un dans l'autre, j'ai encore du temps. J'en suis à peu près à, je crois que c'est l'épisode 15, 16. Donc j'ai un peu plus de 15 heures de jeu sur ce jeu. Je suis pas encore à la moitié des niveaux, donc je suis encore pas à la moitié du jeu. Donc oui, la durée de vie est assez importante pour un hack and slash. Même si de manière générale, de toute façon, ce jeu se rapproche plus sur un certain nombre de points d'un Divine Divinity, qui serait pas monde ouvert. Que dans hack and slash classique. Pourquoi t'es... Ah merde, j'ai fait un clic droit moi. Oh oh. Il y a du werewolf là-bas. Alors. On voit un fantôme Taimurian. Avant d'aller couler l'autre. Couteau en chitine. Stuff niveau 8, c'est pas. C'est pas fou, 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 hein. Merde. If you valued your life, you should have fled. Donne de la valeur à ta vie. Si ta vie était précieuse, si ta vie t'avait été précieuse, alors tu aurais dû fuir. Oui. Bon, il n'y a rien ici, il y a juste ça. Au fait, c'est quoi l'objectif de cette quête là? Vaincre les anarchistes loups-garous. Je suppose qu'il faut les tuer tous. Puis sinon, je vois pas trop. Vers l'entrée de la forteresse. Ah, nous ne sommes pas encore dans la forteresse. Bah si, pourtant. Bah, vers l'entrée de la forteresse, c'est écrit là. Hein. Donc sans sortir de Polytechnique, on comprend que ça veut dire que nous ne sommes pas dans la forteresse. Tiens, je sais pas tuer toi.
Ah merde, je vais pas lancer le bon skill. Oh là là, je suis à la ramasse avec Evia. Je me bourre de skill, j'y suis pas. J'y suis pas. Bon, tiens, on va soigner Evia là, puisque j'ai fait un peu du caca avec elle. Ah, mais j'ai carrément fait de la merde avec elle. Non, là, t'es un peu trop près. Ouais, franchement, j'aime bien ce heal là. Je trouve que l'espèce de marbre là est utile pour ça. Je sais pas que c'est le meilleur perso que j'ai dans mon groupe. Hein. Voilà. Quand t'as plus de skill ou plus de mana, change de perso. Lame de Kitine parfaite, c'est quoi ça? C'est de la deux mains. C'est pas une arme. Si, c'est une arme à droite. C'est une deux mains. Lui peut l'utiliser, mais enfin elle est carrément moins bien que ce qu'il a, évidemment. Tu t'es pris un sale critique dans la gueule, mon pote. Anarchiste, amenons-le ici. Ah, quel con. Ce mélange Torcam par rapport à ce que t'as, c'est plus haut niveau, mais ouais, non, le reste est vraiment trop intéressant. Ok mec, t'as fait ton tourbillon dans le vent, ça c'était classe. Le tourbillon est pas très mobile. Puis c'est le reproche qu'on peut faire au tourbillon. Autant sur un Diablo 2, ton perso il bouge bien quand il est sous l'effet du tourbillon. Puis autant là, le perso reste particulièrement statique et c'est pas efficace pour un sou quoi. Alors, avant d'aller vers la suite. Donc la suite est verrouillée par un jeu de runes. On verra ça plus tard. On va d'abord s'occuper de... D'abord s'occuper des mobs qui sont par là.
Ok. Ça m'a servi à rien là, jusque là. Puis là, pour l'instant, ce que j'ai fait là, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais. Mais je l'ai fait. Donc il y a une autre partie dans ce, dans cette zone. Puis-je y accéder? Oui, je peux y accéder. Par ici. Boîte d'armes témurienne. Ah bah c'était ça la boîte d'armes témurienne. Ok. Vaincre les anarchistes loup-garou 4 sur 5. Il en reste un mais il est où alors? Il est où le dernier anarchiste loup-garou là? Je comprends pas. Serait-il dans la forteresse? Ce serait bizarre qu'il n'y en ait plus qu'un seul et qu'il soit dans la forteresse. Je comprends pas ce que je suis censé faire avec une seule bouboule. Je comprends pas ce que je suis censé faire avec cette boule. Il y a trois types de runes. Il y a un type qui est présent deux fois, un type qui est présent trois fois, puis un type qui est présent quatre fois. Non? C'est ça. J'avoue, je sais pas du tout, là, je comprends pas vraiment ce que je suis censé faire avec ça. Ah, attendez. Non, non. What others have begun, Evia shall finish. Si on commençait par le mettre sur les runes où il n'y en a que deux. Moi je me mets sur l'autre case avec ces runes. Et on regarde si ça fait spawner un autre genre un autre truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, on va les mettre sur les runes qui sont au nombre de 3. Donc qui sont les runes avec une espèce de Z au-dessus. Donc il y en a une là au-dessus. Ouais. «
Voilà. Et maintenant, les runes qui sont 4. Et les runes qui sont 4. Ah, je vois. Les runes qui sont 4, ce sont celles qui sont là. Hop, hop, hop. Donc, première ligne, troisième, deuxième, quatrième. Donc ici, c'est tout à fait en bas. Ensuite, troisième. Non, c'est deuxième. Ok, deuxième ligne. Voilà. Eh ben. De prime abord, c'est pas l'énigme la plus facile à résoudre du monde. Bon, quand on y réfléchit un peu, quand on regarde bien les différents trucs, on arrive à la résoudre. Bon, après, encore une fois, c'est pas la plus facile, non? I smell you, demon. Why are you here? Ah, mais c'est The Boss. I seek thy death, werewolf. Je cherche ta mort. Hardly a reason. Ça a pas une raison. Ça devra suffire. Oh là 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 là. Alors, il y a des gens qui canalisent un truc. Je pense que le boss doit être indestructible tant qu'on n'a pas détruit ses ombres témuriennes. Mais je pense que ses ombres, du coup, il va la faire respawner à un moment donné. Je suis obligé de régène du coup. Bon, j'aurais pu sortir le homard et poser une zone de régène. Hein. Mais vu que je préfère qu'une fois pendant le combat, je vais attendre. Ah, franchement, lui, quand il appelle ses potes, ça tabasse. Hein. Non, 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 n'utilise pas ce skill, bordel. Voilà, donc comme je le pensais, il a fait respawner ses potes. Donc il va me poutrer la gueule. Qui vais-je appeler pour finir? Evia. Bon, on va essayer Evia. Ok, donc lui, il a gentiment repris sa forme. Je pète le mob, ensuite je passe en forme d'arbre. Pour faire une zone de heal. Voilà, la zone de heal, elle est pas suffisante. Ah, lui, en difficulté extrême, il doit être extrême. Alors, costume d'or blanc en chitine ou de dragon massif à vulgaire. Ouais, this could be useful, ouais. C'était joli. C'était un combat bien compliqué, là. Qui fait bien plaisir. Du coup, est-ce que ça a validé la quête? Oui. Cool.
On va pouvoir faire aller vérifier, enfin rendre ça. Alors ce casque, je dirais que c'est pour toi, le homme de gras, non? Oui. C'est pas vraiment beaucoup mieux que ce que t'as, hein. Et pour toi? Celui-là est beaucoup mieux pour toi. Le homme est beaucoup mieux pour elle que pour lui, hein. Lui, il lui apporte un petit peu. C'est pas fou fou. Elle, il lui apporte vraiment beaucoup par contre. Donc, effectivement, on l'a laissé à Evia. Ce home, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres parties d'armure, hein, des trucs de nobles. C'est de la chitine, donc c'est pour chaque. Puis gantelet en chitine, 3 forces, 3 volontés. Oh, ça c'est bien. Ça. Ah, c'est ce qu'elle a. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ceinture, on n'a pas eu de ceinture. Puis on a eu des bottes, non? On n'a pas eu de bottes. Bottes de voleur aguerri. Pour toi, c'est moins bon. Et pour toi, Zar, c'est moins bon aussi. Il semblait qu'on avait eu des trucs, plusieurs trucs là. Anneau de la veuve. Dégâts contre humanoïdes et vermines. Ouais, bon, c'est bien, mais c'est. Voilà. Pierre d'âme, on n'a rien. Objet de quête. Ouais. On a eu une hache de guerre utile. C'est du demain. Pas de bol. Donc les massifs, c'est pas pour toi. Puis de toute façon, c'est niveau 8, c'est un peu grave. Ouais, je suis pas convaincu. Toi, je doute que quoi que ce soit ici soit plus intéressant que ce que tu as. Celle-là, elle tape un peu plus fort. Elle a 2% de chance de tuer, plus 10% de dégâts des compétences. La tienne a du vol de vie. Bref, c'est à peu près équivalent. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on a fini cette quête. On est presque niveau 14. Ça valait le coup, hein, clairement, c'était tout à fait intéressant. 80 000 XP, bon, c'est toujours bon à prendre. Donc nous avons tué les loups-garous anarchistes. Toutefois, nous n'avons pas encore fini avec les loups-garous. Les berserkers loups-garous. Ça veut dire que des loups-garous, on va devoir en refriter encore un petit paquet ailleurs. Bien, alors faut qu'on aille voir Landak, donc là on peut ressortir. Puis on va en profiter pour juste soigner tout le monde d'abord. Niveau des compétences, le drain d'âme. J'ai vraiment pas compris à quoi il sert. Je pense que j'ai juste pas compris. Du coup, je vais reprendre pour lui la compétence livrée, donc je suis sûr qu'elle marche. Ce drain d'âme, à chaque fois que j'ai utilisé sur quelqu'un, la personne était immunisée, donc ça n'avait strictement aucun intérêt. Peut-être que sur lui, elle marcherait, vous voyez, par exemple, mais bon. Oh, une essence ordinaire! Ouh, essence de vie ordinaire, ça doit être joli, non? Plus de 100 PV, non? Plus de 100 PV sur une pierre d'âme. Sur une cape ceinture gambotte, 3 points de vie régénérés par seconde. Oh ouais, elle est très bien, cette essence. Très 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 jolie essence, effectivement. Alors, par où qu'on sort? Évitons les pièges, tant qu'à faire. Ça peut être utile. Pas comme ça, quoi, tu vois. Bien. Bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu de totem parce qu'il m'en manque deux. Bon, je les aurai probablement plus tard hein, dans la partie, c'est pas très grave. Alors,
Peut-on revenir? Ou le chargement va-t-il durer éternellement? Bon, on a été là-haut. Je crois pas qu'on ait été vraiment au bout là-haut. Bah si, forcément. Non? Ah bon, maintenant c'est... Ah, il y en a qui sont bloqués pour... Ah ouais, j'avais pas fait attention. Il y en a qui sont bloqués pour lui, il y en a qui sont bloqués pour eux. Ah, ok. C'est original ça. Donc là, il y avait une entrée, je pense que ça c'est la deuxième entrée de la forteresse cachée. Voilà, celle qu'on n'a pas pu ouvrir parce que nous n'avions pas le zombie titan. Puis, oui, voilà. Ça c'est l'entrée de la forteresse. Et si vous avez le... We know what you are. Your kind shall not corrupt our land. Fools. It's incredible how fast word spreads in my land. Faudrait quand même réussir à survivre un peu plus facilement là, parce que j'ai claqué mes 3 skills et le temps que je me rende compte qu'ils sont pas morts, j'en ai pris plein la gueule. Pas très efficace tout ça. Oh là, deuxième essence ordinaire. Oh, ça devient sérieux là. Ouais, ça devient sérieux là. Alors, il y a encore plein de choses que je n'ai pas vues dans ces contrées sauvages. Must I do everything myself? Pendentif du chaman, qu'est-ce donc que ça? Plus 10% vitesse de lancer des sorts, ouais, c'est pas mal. C'est rien de révolutionnaire, mais c'est pas mal. Iode. Bon, c'est toujours mieux que ce que j'ai. Hein. Ce serait bien que je commence à avoir des armures enchantées sur lui parce que ça craint un peu là. Bon, ça y est, je peux les enchanter moi-même. Hein. Bon, le level up est à portée de main là. Oh oh oh! Géant vert. Ah d'accord. Oh, homme des bois élémentaires, tu vas te faire défoncer la gueule. Je te le prédis. One step closer to justice. You smell saleable. Bouclier, casque et sabre. Bon, level up qui a pas m'apporté grand chose. Si ce n'est un skill point, bon, quelques points de stats, bon, ok. Puis, ok. Ok. Je suis un peu déçu, j'aurais espéré un petit peu plus. Là encore un totem, tu vois, quelque chose comme ça. Les boucliers, je m'en fous. Les casques, c'est quoi? Casque de crâne de voleur aguerri. Pour toi,
Non, par contre, peut-être pour Zahar, parce que t'as un casque niveau 8. T'as plus d'armure, essence feu, poison, toi, contondant, étourdissement, coup critique. Pff, ça se vaut. Ça se vaut. C'est pas foufou. Et le dernier, c'est quoi? C'est un sabre rouillé hein, que j'ai eu. Ouais, c'est pas terrible. En main gauche, peut-être. Hache de guerre aiguisée, c'est ce que j'ai. Puis sabre rouillé, non, c'est beaucoup moins bon. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait ce côté-là. Puis maintenant, il y a un autre côté là-bas qu'on a déverrouillé. On va y aller, hein. Ah oui, c'est vrai, on a gagné un niveau. Toi, tu vas gagner quoi? Deux en force, un en endu, deux en volonté. Toi, trois en volonté, un dex, un endu. T'as vraiment besoin de plus de mana, toi. Toi, l'homme des bois. 2 d'endu, 1 de volonté, 2 de force. Et toi, Zar, 2 endu, 2 force, puis index. Puis, au niveau des compétences, bah, niveau 14, il n'y a rien de nouveau. Dans Slam, ouais, c'est pas mal. C'est, il faudrait qu'il dure plus longtemps, parce que durer 2 secondes, bon. Les dégâts tranchants sont sympas. Après, ils ne deviendront pas incroyables. Hein. Franchement, dans Slam, c'est bien. C'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde. Bon, cela dit, c'est déjà pas mal. Je pourrais prendre la ruée de loup qui ferait pas mal de dégâts, 620 points de dégâts. Mais franchement, le chef de meute, je trouve que c'est complètement abusé ce skill. Toi, fléau, non, berceuse naturelle, tu t'en sers pas, et puis de toute façon, il faut être niveau 16. La peau d'écorce, tu peux l'améliorer. L'arbre guérisseur, il faut attendre le niveau 16. Éventuellement, racine. Allez, on va investir un point en racine, on va voir ce que ça vaut. À la place de ta bolt. Toi, ta tornade, non, merci, météorite, non, frappe brûlante, il faudra que tu sois niveau 20. Puis toi, je pense qu'avec ces trois skills, t'es tout à fait efficace. Je tâte quand même à t'améliorer bouclier de feu, parce que ça fait de la résistance au feu et que ça peut être très utile. Puis après, le problème, c'est le coût en mana, hein. Clairement, le coût en mana, il devient absolument délirant. Frappe brûlante, au niveau 20, il te faudra 3 points de compétence. On n'en est pas là. Météorite, au niveau 18, il en faudra 2. Donc d'ici le niveau 20, il faut 5 points de compétence. Je pourrais tout à fait investir un point en, ou 2 points en bouclier de feu. Hein, je veux dire, elle, des points de compétence, je ne sais pas combien elle en a, mais à mon avis, elle en a une chier. Donc je pourrais tout à fait améliorer bouclier de feu. Et je vais le faire d'ailleurs tout de suite, parce qu'on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un skill comme ça. Et toi, poteau? Au niveau de tes compétences, tu peux améliorer quoi? À part les tentacules de l'ombre, t'as tout pris de toute façon. Alors, ces tentacules, elles ont un temps de recharge en 25-30 secondes. Il y a 20, 25, 30 tentacules pour un des dégâts de 150, 195, 245. Je vais le tenter, tentacules de l'ombre, plutôt que ça. Il faudra que j'améliore frappe démoniaque et vague de l'ombre, mais c'est niveau 16 tous les deux, et à ce niveau-là, il me faudra 5 skill points. Les aurais-je, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai au moins 2 skill points là actuellement, avec le niveau 15 et le niveau 16, donc j'en aurai au moins 4. Est-ce que j'aurai les 5? Je ne sais pas. On verra. J'essaye tous les skills hein, que je peux. Du coup, lui, il a appris tous ses skills, au moins à rang 1. C'est déjà pas mal. Hein, je veux dire, voilà. Niveau 14, est-ce que j'ai pas du super stuff à équiper? Genre un collier ou un truc comme ça, non? J'avais pas un super truc super fat. Puis toi, t'as quoi comme collier? Dégâts contre élémentaires. Bah, tu affrontes plutôt des esprits que des élémentaires, toi alors prends plutôt ça. Ok, et
Est-ce que j'avais pas un truc niveau 14, moi? Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé d'avoir un truc niveau 14. Oui, je suis sûr que j'ai un truc niveau 14, mais je sais plus quoi. Ça, un autre vision. Régène mana, vitesse de lancer de sort, c'est pour elle. Anneau de glouton, c'est pas mal, mais qu'est-ce que t'as comme deuxième anneau, toi? Ouais, bah c'est l'anneau de glouton, on va le remplacer. Hein. Par l'anneau de vision. Tu gagnes de la régène mana et tu gagnes de la vitesse de lancer de sort. C'est pas mal. Après, on peut toujours mettre une essence dedans hein, si c'est pour si tu veux augmenter les heals reçus. Toi, tes deux anneaux, ils sont complètement fat. Toi, t'as des anneaux dégâts contre esprit 8 à 12, c'est à chier. Donc, tu vas prendre l'anneau de glouton. Alors, certes, c'est de la vitesse de cast, tu t'en fous. Donc, tu vas prendre un anneau glouton bleu. Au moins, tu auras un petit boost sur le soin reçu. Ça peut pas te faire de mal, si tu veux mon avis. Alors, ça fait combien de temps qu'on est sur cet épisode? Ça fait un peu plus de 35 minutes. Oh, je dois avouer que cet épisode-là, pour l'instant, il est rentable. Il se passe bien, il avance, tout est classe, tout est bon, tout est ok. Bah c'est très bien, très très bien. Mais en général, ce jeu avance bien, il avance à un bon rythme. Ça va être temps d'axe ici. Hein. Oh, 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 oh. Deux loups-garous là. Thou art already dead. Ouais, ça mec, je serai toi. Ah, c'est tout à fait intéressant, disons, comme skill. Bon, par contre... lui, il aura pas le temps de balancer tout ce qu'il peut. Ah ouais, et le truc, là, ça a défoncé, hein. Ah, ça a défoncé, mais d'une force. Ah mais d'une force, oh là là, les tentacules, c'est costaud. Hein. Ah c'est costaud, hein, ça tabasse. Hein. Ah, je suis assez satisfait là pour l'instant de mon investissement. Hein. Je dois avouer, je suis satisfait de l'investissement. Hein. Et ça envoie du steak. Hein. Allez, on va chercher, et puis ça n'a pas l'air très cher en plus, si, ah, c'est 440 en mana quand même. Le chaman, je suis pas occupé de lui, il est presque mort, quoi. Ouais, quand même, hein. C'était pas si facile que ça, hein. Cap du soleil, lame de chitine parfaite. Alors, cette cape du soleil... Régénération PV, endurance plus 3, c'est mieux que ce que t'as. Donc on va te la mettre à toi. Toi t'as quoi? T'as une cape armure élémentaire démon. Bah tu vas prendre une cape de régène PV, ça peut pas te faire de mal. Plutôt. On a une lame, je pense que c'est du demain, la lame en chitine. Ouais. Ça tape beaucoup moins fort que ce que t'as. Bon. Écoutez, tant pis, hein, c'était pas extraordinaire tout ça. Pas extraordinaire. Je veux dire, c'est pour débloquer des petits trésors qu'on a ouvert ça. Alors certes, c'était pas compliqué à ouvrir, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus... De plus, quoi. Alors, on va vite fait rendre la quête. Puisqu'on est à côté du cénotaphe, hein, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas. Non. On va aller au camp frontalier.
et on va aller parler au marchand. Par contre, au camp frontalier, je trouve que c'est dommage, le cénotaphe est un peu loin des PNJ à qui il faut parler. C'est un peu chiant. D'ailleurs, ça crée inutilement du temps pour aller voir les PNJ. Donc. Ouais, je suis pas forcément convaincu par l'endroit, la nécessité d'avoir mis le cénotaphe ici. J'ai toujours trouvé que mettre un waypoint à un endroit proche de l'action est quand même plus intéressant. Alors, je regarde en même temps. Des armes. And weaponry wanted. Might be a bit of my own blood on it, but it's good enough. Sure took your time getting it, but you have my gratitude and my money. What do you want, Wolf? Bon. Toi, du coup, on a toutes ces armes là, du coup. On va les vendre, sauf gantelet massif. On va garder cela. Ouais, on va prendre les autres. Les points en peau, ils sont quand même mieux que les gantelets massifs. Donc. Hop, on va prendre ça. Ce grand arc, à mon avis, il est mieux que celui qu'a notre ami Urshak. Ça aussi. Tunique de voleur. Ça, j'ai pas regardé. J'ai dit en armure, cette armure de plaque, bah cette tunique de voleur, elle est mieux pour toi. Hein. Bah, tu vas la prendre. Voilà. J'ai même pas vu que j'avais chopé une armure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en home, ça en vire, le casque de voleur, ça on a mieux, le home en kitine on a mieux, le masque c'est pas pour vous, ça vous virez, ça vous virez. En cap, pour l'instant on n'a pas de raison de virer de cap, gants de voleur, ils sont un peu mieux que ce que tu as apparemment ces gants. Bah, c'est-à-dire que toi, t'as des gants pas enchantés, donc oui. Des gants de voleur. What do you want? Ça,
ceinture, on n'a pas forcément de raison d'en vendre. Des bottes, les bottes de voleur aguerri, elles ont l'air encore mieux que... Non, elles ont l'air moins bonnes que ce que t'as. Puis, collier, croc lourd, on n'a pas besoin d'en garder 15. Hein. Pentif du chaman, on n'a pas besoin d'en garder 15 non plus. Anneau. On peut en garder un de chaque, mais... Ce sera plus vraiment... Tous les anneaux qui font 8-12 de dégâts, là, c'est pas la peine de les garder. On va les remplacer par les anneaux qui font 13 à 17 de dégâts contre les... ces cibles-là. Et voilà, du coup, ça nous fait un petit peu plus d'argent. Ok, donc de l'XP, de l'argent. Je sais pas exactement où je vais aller pour la suite. Bah, je vais continuer à visiter cette zone. Hein. De toute façon, au niveau des quêtes, comme qui dirait, ça c'est des quêtes, la quête principale. Puis il me reste traverser les contrées sauvages. Je n'ai pas encore traversé les contrées sauvages. Bon, c'est une quête niveau 2, je suis niveau 14. Vaincre les chasseurs de démons. Je suppose qu'il en reste d'autres dans les contrées sauvages, il faut que je les tue, bon ok. Les esprits de la lune ancestrale, il manque deux totems, c'est plutôt ça moi qui m'intéresse. Mais cette quête, elle est deux niveaux plus haute que les autres quêtes. Donc même si j'ai le niveau, je pense qu'elle va se faire plus loin que les autres quêtes. Ça me semble assez logique. Ok, pom 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 pom. Donc, bah on va prendre ce chemin-là vers le sud, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Ah, les mecs, ils ont quand même 900 PV, hein. Ah, quand même, hein. Ce sont des PV, les mecs, hein. Ouais, ils sont costauds, ils tabassent eux, hein. Ils ont des PV et ils tabassent. C'est bizarre cet endroit. Ouais, ça m'a étonné qu'il n'y ait rien ici. Bon, c'est que de l'argent, hein. C'est pas un truc fou, mais...
Allez mes guerriers, venez m'aider. Ah d'accord, ils sont pas tous les deux tapés sur le mob. C'est boulé. Alors, tunique de capitaine. Je trouve que les interactions entre personnages en difficulté normale sont peut-être pas assez obligatoires. Je veux dire par là que si je prends qu'un personnage, j'ai rarement besoin de switcher pour finir un mob. Sauf si c'est obligé comme pour les loups-garous, parce que techniquement c'est pas possible. Mais bon, après, encore une fois, je suppose que c'est parce que je joue en mode normal. Et que du coup je booste pas ces interactions. Ces synergies. Mais je pense que d'ici la fin du jeu, il faudra quand même y avoir recours parce que les compétences des personnages sont plutôt pas mal à notre niveau, mais quand tu arrives vers le niveau 25, j'ai un petit peu des doutes quant à ce que tu peux envoyer en termes de dégâts, et à mon avis, le switch de perso va être plus important. Une note là. À mon avis, là, si je passe sur le fantôme, il y a du monde. Enfin, le fantôme, le démon. Le dévoreur. Ça va faire une heure que j'y suis, hein, donc il va bientôt falloir que je mette un terme à cet épisode. Je pense que je vais aller joli pack là, hein. Ouf, il y a du monde, joliment géré. J'ai dit, je vais aller jusqu'à au truc de soins là, qui est là-bas. Et je vais m'arrêter ici. Ah, il y a un monsieur qui veut qu'on lui défonce la gueule. Si ça peut, si ça peut rendre plaisir, rendre service, hein, moi. Voilà quoi. Non, franchement, ces tentacules là sont super efficaces. Hein. Je dois avouer. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour poursuivre mes aventures dans les contrées sauvages. Ciao tout le monde.